Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et merci d'être fidèles à cette université populaire. Pour répondre à des interrogations à propos de la conférence qui s'est tenue hier sur l'exil, la mairie n'a pas fermé le bâtiment. Donc il a fallu à la fois changer de lieu et d'horaire, ce qui a amené à une déperdition de participation. Nous sommes en train de réfléchir à réorganiser cette conférence au mois d'octobre, ce serait le 28 octobre. Et j'espère que cette fois-ci, la faculté n'aura pas à nouveau des soucis avec son système de sécurité incendie. Donc hier, c'était un joli moment parce qu'il y avait une vingtaine de personnes et des personnes très impliquées avec lesquelles on a beaucoup discuté. Il y avait deux jeunes migrants, dont un qui... je peux parler plus fort? Oui, c'est mieux. C'est mieux si je parle plus fort? Je vais parler plus fort. Oui, il y avait deux jeunes migrants, dont un qui a réalisé une vidéo qui raconte son histoire et qui ensuite a raconté lui aussi une partie de son histoire. Ah, c'était un très joli moment. Encore une fois, nous allons essayer de reproduire cette conférence le mois prochain. Ce mois-ci, le 28 octobre. Et j'espère, sans être parano, que ce n'est pas le titre qui a posé des soucis de sécurité incendie. Ce soir, nous avons la grande chance de recevoir Bernard Lamizé. Bernard Lamizé est un fidèle de l'Université populaire depuis 2014. Et c'est lui qui est venu à notre rencontre. Et un jour, il m'a appelé en disant « J'ai vu que vous organisiez une université populaire, ça me plairait de pouvoir y participer. » Et notre rencontre a été difficile parce que je lui ai dit « Désolé, et le programme est bouclé jusqu'au mois de juin, donc ce ne sera pas possible pour cette année. » Et puis, comme les choses se passent bien quand on est optimiste, un intervenant s'est décommandé. Et Bernard, très gentiment, a accepté de remplacer et de tenir ces trois séances. Et depuis, il est fidèle, il donne des conférences chaque année. Cette année, il va nous parler de médiation et communisme. Il a écrit deux ouvrages que je vous recommande, qui ne sont pas toujours simples à lire, mais qui sont de toute façon à la fois très documentés et très intéressants. J'ai mis en ligne la bibliographie qu'il m'a transmise ce matin. Donc, je vous invite à commander ces livres à la bibliothèque de Casar s'ils sont disponibles, mais sinon dans une bonne librairie. Bernard Lamizé, pour le présenter sans que vous soyez effrayé, et professeur émérite de Sciences Po Lyon, où il enseignait les techniques de l'information. C'est ça, Bernard? Oui. Techniques de l'information. Surtout pas les techniques. Alors, l'information. Mais je l'expliquerai tout à l'heure. Et donc c'est un grand bonheur pour nous de le recevoir. Vous allez observer comment il est très, très généreux, à la fois dans son expression, mais aussi dans son écriture. Et vous verrez sur le site de l'Université populaire, il y a la photo du tableau qu'il avait rempli l'an dernier. Alors, c'était un tableau qui était 6 fois grand comme celui-là. 1,50 m par 3 mètres. Et il était rempli d'écriture. Et ce qui est encore plus magique, c'est qu'il se souvenait ce qu'il avait écrit ou il avait écrit, mais il était à peu près le seul à s'en rappeler, à s'y retrouver. Mais c'est en tous les cas pour nous une très très belle histoire et un très très beau souvenir. Bernard, grand grand merci pour ta générosité, pour ta participation à l'Université populaire. Merci pour l'accueil.
merci pour l'accueil et puis merci pour la patience. Ce que je vous propose... Donne-lui le micro. On entend quelque chose ou pas? C'est allumé au moins? Je sais pas. Attends, je vais sortir ça. Regardez. Comme ça, c'est bon? Ce que je vous propose comme mode d'emploi, je vais essayer d'être aussi clair que possible. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ben, vous le dites. Et puis, ce que je propose, c'est d'arrêter une demi-heure avant la fin, donc tu me feras signe, pour qu'on ait un temps de débat, de questions-réponses, de dialogue, de contestation. Donc, trois séances consacrées à Marx, parce qu'il se trouve qu'il était né en 1818. Ça tombait bien, parce que comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, je m'étais amusé à publier un petit livre sur le communisme. Et alors, pour expliquer un petit peu d'où ça vient, pourquoi j'avais écrit ça, pourquoi je parle de ça maintenant, je vais faire deux, j'ai envie de dire deux cartes de visite. Une première carte de visite professionnelle, puis une deuxième carte de visite sur l'engagement. Parce qu'il se trouve que parler de Marx, c'est pas comme de parler de... C'est bon, parler de Marx, c'est pas comme de parler de la comtesse de Ségur. C'est parler de quelqu'un qui a un discours politique. Et donc je crois que ces deux identités se rencontrent à un certain moment. Et donc je vais prendre quelques minutes pour présenter les deux identités. Bon, alors il a été dit tout à l'heure que j'avais enseigné à Sciences Po Lyon, j'avais un peu enseigné à Sciences Po Aix il y a pas mal d'années. J'aimais beaucoup le lieu. C'était génial au-dessus de la rue de Saint-Porta. C'était fabuleux de venir travailler à Aix. Mon parcours, il vient. Alors, ça commence. Mon parcours, il vient de la sémiotique. Alors, j'ai mis mon adresse là, comme ça, si vous avez envie d'écrire. Alors, qu'est-ce que c'est que la sémiotique? Et c'est important de parler de la sémiotique, parce que on n'est pas très loin, finalement, dans l'histoire. On n'est pas très très loin de Marx. La sémiotique, c'est Saussure qui fait un cours de linguistique générale à Genève. Saussure, il finit mal. Il finit, je crois, frappé par ceux qui l'enseignaient. Il ne peut plus parler à la fin. Et c'est ses élèves qui, après sa mort, vont publier le cours de linguistique générale que vous pouvez trouver chez Payot. Et dans le cours de linguistique générale, Saussure, il dit... La linguistique, autrement dit la science des langues, fait partie d'un domaine plus vaste qu'il appelle la sémiologie, qui est un terme qu'il emprunte à la médecine. En médecine, la sémiologie, c'est l'étude des symptômes. Et du coup, Saussure produit une logie, une science, des séméiums. Séméium en grec, c'est le signe. Et alors, il va y avoir deux lectures
complémentaire de Saussure, une lecture politique, c'est celle que je vais proposer aujourd'hui, et une autre lecture à laquelle je me référerai un peu, qui est la lecture par la psychanalyse. Parce qu'évidemment, quand on parle du signe, et ça, Saussure le dit tout de suite, la sémiologie, c'est immense. Parce que finalement, tout fait signe. Et dans l'étendue des signes, il y a les signes linguistiques, les mots, il y a les signes mis en évidence par Freud, qui est pratiquement contemporain de Saussure. Saussure, il meurt en 1920, par là. Freud, il écrit l'interprétation des rêves en 1900. Donc, ça va être une autre série de signes, les signes de l'inconscient. Et puis, comme je le disais, la sémiotique politique. Et là, je voudrais m'expliquer sur le discours de Marx. Le grand projet de Marx, c'est Le Capital, qui est un bouquin immense, qui doit faire deux tomes à la Pléiade, puis pas des petits. Non. Et le projet fondamental de Marx, et je voudrais partir de là ce soir, c'est de dire l'économie, il faut la penser à l'intérieur du politique. Pour venir à écrire Le Capital, Marx, il va commencer par s'engager politiquement, ce qui va donner le manifeste communiste, écrire toute une série de livres sur l'économie, qui conduisent tous à la même chose. Il faut cesser de séparer économie et politique. Et qu'est-ce que c'est que l'économie ? C'est justement une part du politique. Et cette part du politique, elle part de l'écho. Écho, ça vient du grec oikos. Oikos, c'est le lieu où on vit. Bon, la petite idée, c'est important, je note au passage. Oikos, ça a donné le mot latin wicus. Wicus, c'est le lieu d'à côté. Et ça a donné un mot que vous connaissez bien. Ça a donné wikinus. Et le wikinus, c'est ce qui a donné directement en français le mot voisin. Wikinus, c'est l'étymone du mot voisin. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'économie, dont le terme grec montre qu'elle était déjà pensée, réfléchie, analysée dans la culture grecque. Qu'est-ce que c'est que l'économie ? C'est la science qui permet de comprendre comment se régulent les rapports entre les voisins. À partir de, on va dire, du XVIe, XVIIe siècle, l'économie va se spécialiser dans un certain rapport entre voisins, les rapports d'échange. Et c'est comme ça que l'économie va devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire de façon un peu plus précise que la science des voisins, la science de l'échange. C'est dans ce contexte que Marx, dans les années 1850,
oublier tous ces essais de politique et d'économie politique. Alors, c'est important de noter les dates, pas les dates, les périodes, de les situer. La critique de l'économie politique, qui est une espèce de préalable au capital, c'est 1857. Pour la petite histoire, je donne une date comme ça, comme image. Le Crédit Lyonnais, il est fondé en 1863. C'est la même chose. C'est la même époque. C'est l'époque où se fondent les logiques de l'économie contemporaine. Et en particulier, l'économie fondée sur le capital. Un, l'accumulation du capital. Deux, l'investissement du capital, l'investissement productif. Parce que ces années 1850-1860, c'est aussi la naissance de l'industrie. Naissance du chiffre. Le port de la Joliette, c'est 1850. On dit, c'est l'époque où commencent à naître les structures contemporaines de l'échange. C'est important de bien se rappeler que le concept d'échange a deux significations. L'échange, c'est ce qui va fonder la valeur de l'économie. Mais surtout, pour ce qui va fonder la valeur, l'échange, c'est la relation. Finalement, ce qui est important dans l'histoire de Marx, quand il fait attention, c'est de remettre l'économie dans les politiques de Marx. Ce qui est important quand Marx écrit ça, c'est qu'il vient de dire justement que l'économie fait partie de l'histoire qui sert à penser. C'est ça la politique. C'est la politique. La police, en grec, c'est l'État. Cité, ça veut dire métropole, mégalopole, etc. Mais la cité, non pas au sens de l'urbanisme, mais au sens de l'État, de la structure politique à laquelle on appartient. Et donc, quand Marx explique que l'économie doit se penser à l'intérieur du politique, dans le champ du politique, ça veut tout simplement dire qu'est-ce que c'est que l'économie ? C'est l'instance des sciences politiques qui va nous permettre de penser les rapports d'échange. Et alors, là, je voudrais m'expliquer brièvement sur les trois séances. Première séance, je voudrais partir de cette notion d'échange pour introduire, redéfinir le concept de médiation. La semaine prochaine, on parlera plus précisément de la critique de l'économie politique, et dans 15 jours, je voudrais situer Marx aujourd'hui, en particulier par rapport au communisme. Parce qu'évidemment, c'est bien pour ça que j'ai rappelé que tout à l'heure, que j'ai rappelé que Marx avait écrit le manifeste communiste. Quand Marx écrit le Capital, c'est pour donner un support théorique à l'engagement communiste.
Alors la médiation. On va parler de la médiation. La médiation, je la définis tout le temps. J'ai envie de dire que c'est quand je suis tombé sur le concept de médiation que j'ai commencé à travailler vraiment. La médiation, je la définis comme la dialectique entre le singulier et le collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne peut pas séparer le singulier et le collectif. On passe notre existence dans cet ascenseur qui nous transporte sans arrêt du singulier et collectif au retour. Et alors c'est là que je vais revenir à mon propos du début. Quand je parle de dialectique entre singulier et collectif, c'est bien la psychanalyse qui me sert à penser le singulier, et c'est le politique qui me sert à penser le collectif. Autrement dit, ce que je définis comme la médiation, c'est ce qui donne une consistance, finalement, ce qui rend à la fois pensable et visible, pensable, cette relation incessante entre singulier et collectif. Alors évidemment, même si j'ai situé tout à l'heure Marx par rapport à Freud, quand Marx écrit Le Capital, Freud, il n'a pas encore commencé à travailler. Si, il a commencé à travailler, mais pas à publier. En revanche, je crois que dans... Il y a un concept très important qui a été élaboré par une de mes anciennes enseignantes, Julia Kristeva, qui est le concept d'intertextualité. Ce que dit Kristeva quand elle écrit ça dans un livre qui s'appelle Sémiotiqué, que vous pouvez trouver aux éditions Seuil, dans la collection Point. Quand Kristeva parle d'intertextualité, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer un texte de tous ceux qui sont publiés en même temps, qui font partie de la même culture. Et je pense que pour pleinement penser le discours de Marx, c'est important de le raccrocher aux autres discours qui sont proches de lui, à la fois dans l'histoire et dans la problématique, en particulier celui de la psychanalyse. Le deuxième concept important dont je vais me servir, c'est celui d'espace public. Parce que finalement, on pourrait donner à Oikos cette définition. L'Oikos, c'est ce qu'il sait. Parce que le voisin, le oikos, là, c'est ce qui a donné le mot grec oikia. Et oikia, en grec, c'est la maison. C'est là que j'habite. Mais si on réfléchit bien,
au fait que oikos a aussi donné oikonomia, ça veut dire que l'oikos, c'est aussi l'autre côté de l'espace, l'espace collectif, avec un concept absolument majeur, celui d'espace public. Le concept d'espace public, il a été élaboré par Habermas en 1962. Habermas fait partie de la deuxième génération de ce qu'on a appelé l'école de Francfort. Autrement dit, tout ce groupe de penseurs qui, en Allemagne, avaient repensé les sciences politiques. Et pour préciser les choses, il faut bien se rendre compte que l'Allemagne, après-guerre, elle avait un besoin urgent de repenser les politiques. Il fallait tout nettoyer, j'ai envie de dire au sens propre, il fallait faire le ménage. C'est ce qu'a fait l'école de Francfort. Et quand Marx est relu par Habermas, ça donne un livre important auquel je vais me référer, L'espace public, qui au départ est un livre d'histoire. Au départ, l'espace public, le projet de Habermas, c'est de comprendre comment est née la communication politique et comment sont nés les médias. Et ce que dit Habermas sur l'espace public, c'est l'espace public, c'est l'espace pour le monde. Parce que l'espace public, ça existe déjà chez les Latins. Il y avait la guerre publicus, qui était le champ qui était à tout le monde. Pourquoi il y avait la guerre publicus? Parce qu'on avait peur des famines. On avait peur des crises. Donc à Rome, il y avait cette guerre, ce champ, qui était à tout le monde, qui était cultivé par la collectivité, autrement dit, qui était déjà une expression dans l'espace du rapport entre sa vie. Et alors, publicus, c'est un mot important. Publicus, ça vient du mot plus, du peuple. Publicus, c'est ce qui regarde le peuple. Et pour bien comprendre ce qu'implique ce mot peuple dans la culture latine, tel qu'après il va être utilisé par ceux qui vont penser le politique, il faut se rappeler que chez les Romains, il y avait deux mondes. Il y avait ces deux mondes qui était représenté dans ce que vous avez tous vu dans Astérix, dans les enseignes romaines sur lesquelles il y avait écrit SPQR. Ça veut dire quoi SPQR? Ça veut dire Senatus, Populus, Quae, Romanus. Autrement dit, le Sénat est le peuple romain. Ce petit mot, le plus important, c'est « et ».
Parce que d'un côté j'ai le Sénat et de l'autre côté j'ai le peuple. Et entre les deux, il y a Coué. Ça veut dire qu'on réunit, mais surtout, on ne mélange pas. On réunit dans des cases différentes. Qu'est-ce que c'était que le Sénat avant ? C'était ce qui représentait les classes fondatrices de Rome, l'aristocratie. Qu'est-ce que c'était que le peuple ? C'était les autres. Rappelons-nous toujours, parce qu'on a tendance à l'oublier, petite note en bas de page, que quand on parle de Rome, quand on parle de la Grèce, c'est bien joli tout ça, la démocratie, la République athénienne, etc. Mais je rappelle quand même que les femmes, dans ce beau pays qui est le nôtre, votent depuis 1945. Ça fait quand même pas lourd. Je préfère le rappeler. Donc, pas les femmes. Et deux, pas les esclaves. Et ne vous représentez pas les esclaves comme des chaînes, des machins comme ça. Les esclaves, c'était tout simplement tous ceux qui vivaient à Rome et qui n'avaient pas de droit politique. Ce qui fait que quand on parle du populus, il reste quand même pas beaucoup de monde. Mais ce qui est important, c'est réunion romaine qui donne naissance à l'idée de peuple, au cercle de peuple, c'est ce à quoi Marx donnera une autre expression, la lutte entre le capital et le producteur. C'est ça la lutte. Entre le singulier et le collectif, autour d'un concept fondamental qui se dit identité. Je crois que l'identité, c'est comme tout le reste, c'est une médiation du singulier et du collectif. L'identité singulière, c'est très simple. 1936. Élabore un concept majeur. Il dit, à partir d'un certain moment, l'enfant va se mettre à parler. Je le rappelle quand même, toujours en latin, j'ose plus écrire, parce que je le dis, pas effacer. Donc j'ose pas écrire. En latin, le mot qui a donné enfant, c'est infans. I-N-F-A-N-S. Et fans, en latin, ça vient du verbe fari, qui veut dire parler. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'infance, étymologiquement ? C'est celui qui ne parle pas encore. Et c'est là qu'arrive Lacan.
Lacan a dit, l'enfant va entrer dans le symbolique, va se mettre au privé à partir du stade du miroir. Le stade du miroir, c'est très simple. C'est expliqué dans le Babel de Séville du Beaumarchais. Le Beaumarchais explique comment on dit, comment on fait des déclarations d'amour à quelqu'un. Alors, je sais que si on me disait je t'aime, ce serait une façon de chercher l'amour. Donc, je vais dire à l'autre je t'aime. Et ça marche. C'est ça le miroir. C'est dire à l'autre ce qu'il faudrait qu'il me dise pour que je comprenne ce que je veux qu'il comprenne. Donc, l'identité singulière, c'est le miroir. Autrement dit, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est l'identification symbolique. Je m'identifie à l'autre. Ça veut dire que dans le langage, je suis comme lui. D'autre côté, j'ai l'identité politique. L'identité politique, c'est le contraire. C'est pour ça qu'elle se distingue. L'identité politique, c'est le conflit. Une des choses que nous apprend Marx, alors on le savait depuis longtemps, Marx met des mots dessus. Une des choses que nous explique Marx, c'est qu'on ne peut penser l'identité politique que dans le conflit. Je ne peux penser la gauche que par opposition à la droite. Et tous ceux, j'ai envie de dire, en attendant la page, suivez mon regard. Tous ceux qui essaient aujourd'hui de nous faire croire qu'on peut faire de la politique sans conflit, ils mentent. C'est très simple. On ne peut pas faire de politique sans conflit. Parce que je ne peux penser pleinement l'identité politique dont je suis porteur, dans laquelle je me reconnais, qu'à partir du moment où je vais entrer en conflit avec une identité politique différente. Et c'est bien pour ça que Marx va fonder sa critique de l'économie politique sur le travail. Parce que qu'est-ce que c'est que le travail ? C'est la situation dans laquelle celui qui travaille est confronté à celui qui l'emploie. C'est pas compliqué. C'est ça le travail. Pour la petite histoire, le mot travail vient d'un mot latin, trivalium. Vous savez tout ce que c'est un table, le pieu dans lequel on empale quelqu'un. Le trivalium, ça désignait la torture. Autrement dit, là, en plus, ces Romains, il n'y avait pas qu'un table, ils vous en voulaient trois d'un coup. Et c'est à partir du mot torture que s'est construit le mot travail. Autre définition du travail, le travail, c'est la souffrance. D'où l'autre emploi du travail, chez une partie de l'économie,
mais parce que c'est vraiment facile à passer. Nouveau concept introduit par Marx à partir de celui du travail, un concept majeur, celui d'aliénation. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation ? Aliéné, ça désigne quelqu'un qui ne se possède plus. Avant, les aliénés, c'était les fous. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je l'ai encore vu écrit sur la façade de l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, il y avait encore l'hospice d'aliénés. Alors que Marx parle d'aliénation, il ne parle pas des fous. Il parle des gens qui, comme les fous, ne sont pas maîtres de leur identité. C'est ça l'aliénation pour Marx. C'est la situation dans laquelle on est dans la dépendance par rapport à l'autre. Et finalement, quand Marx fonde la relation de travail sur l'aliénation, il ne fait que repenser dans le champ de la relation d'échange ce qu'en politique on appelle le pouvoir. Parce que le propre du pouvoir, et là on est bien dans la confrontation entre deux identités politiques l'une à l'autre, le propre du pouvoir, c'est que si je l'ai, c'est que l'autre ne l'a pas. C'est très simple. Et inversement. Et c'est bien la raison pour laquelle le politique, la raison politique, ne peut se penser que dans la confrontation. Et par conséquent, le projet de Marx dans le communisme et d'abord dans la critique de l'économie politique, ça va consister à situer l'économie, c'est-à-dire la relation d'échange, la relation à l'autre, à situer l'économie dans les identités politiques, c'est-à-dire dans la confrontation. Il ne faut pas se tromper. La relation d'échange qui fonde l'économie, elle est bien dans une logique de rapport de force. Alors, ça commence très simple. Ça commence par la relation du commerce quotidien. Les cultures anciennes, il fallait déjà qu'elles achètent du pain et donc qu'elles le vendent. Donc il y a toujours eu cette relation de, j'ai envie de dire, de dialogue, d'échange politique entre celui qui vend et celui qui achète. Et alors à partir de là, Marx va définir deux problématiques de l'économie. La problématique de l'usage et celle de l'échange. À partir de là, il va refonder, repenser le concept de valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur ? La valeur,
Je pense que c'est tout simplement l'équivalent du signe dans le champ économique. Et à partir de là, Marx va définir deux valeurs. La valeur d'usage de la table, et bien c'est à ça qu'elle me sert. Et la valeur d'échange de la table, c'est combien je vais l'acheter chez l'artisan. Ce qui veut dire que, d'emblée, en définissant deux domaines de la valeur, Marx va revenir sur le concept de médiation. La valeur d'usage, c'est le singulier. La valeur d'échange, c'est le collectif. Et c'est ce qui fait que la valeur d'usage, elle n'est pas pensable dans le champ politique. Tous ceux d'entre vous qui ont des enfants et qui ont essayé de négocier avec leur enfant pour avoir l'autorisation de jeter un papier qui traînait dans la chambre, se sont heurtés à la question de la valeur d'usage. Surtout pas, touche pas à ça, parce que je m'en sers. À quoi ? C'est une autre histoire, mais je m'en sers. C'est pour ça que je dis bien, valeur d'usage, c'est du singulier. Et c'est la raison pour laquelle le premier espace dans lequel va figurer la valeur d'usage, c'est l'oïkos au sens restreint, l'espace privé, la maison. Et dès que je vais sortir de la maison, dès que je vais me retrouver dans la rue, dans l'espace public, je vais me trouver confronté. C'est un espace urbain fondamental, et j'ai envie de dire fondateur, comme j'y suis, on appelle le marché. C'est quoi le marché ? Marché, c'est comme un mot latin. Mercator, comme ça se prononce. Le mercator, c'était le lieu de la ville dans lequel se trouvaient les merquesses. M-E-R-C-E-S. Qu'est-ce que c'est que les merquès ? Alors, au singulier, c'est un nom de merquésiste. Au singulier, c'est merx. Les merquès, d'usage. Quand je vais acheter un crayon, je vais à la papeterie. D'accord, très bien. Mais des papeteries, il y en a un paquet. Et puis des crayons, je peux en trouver à Monoprix. Je peux en trouver chez, non, chez Amazon. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le marché. Ça s'appelle la concurrence. Quand Marx va penser à la critique de l'économie politique, on arrive au moment où le marché, qui
a mis à peu près 2000 ans à se compter, arrive à son stade, j'ai envie de dire, ultime. On est arrivé à peu près à la définition finale du concept de marché. Et le marché, c'est à la fois l'espace dans lequel je vais acheter des produits, dans lequel je vais les vendre, dans lequel il va y avoir la concurrence. Mais de l'autre côté, le marché, c'est l'espace dans lequel les produits qui sont vendus vont être représentés par leur valeur. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le marché ? C'est l'espace dans lequel l'économie s'inscrit dans une logique de signe. Dans la bibliographie, il y a un livre remarquable de Jean-Joseph Roux, Géonix, qui s'appelle Économie et symbolique, dans lequel Roux montre justement comment on peut aller chercher la psychanalyse pour repenser l'économie. Façon de dire que, comme je disais tout à l'heure, la dialectique singulier-collectif, le rapport entre psychanalyse et économie politique, ça a l'ascenseur. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas entre singulier et collectif. La valeur d'usage, c'est le singulier. La valeur d'échange, c'est le collectif. C'est ce qui va figurer dans l'espace politique, le lieu d'échange. Alors je voudrais arriver là, tout doucement, au mot qui va nous occuper de la séance. Concept politique qui vient figurer cette médiation symbolique. Parce que ça veut dire quoi, communisme ? À mon l'air, le communisme, c'est le projet d'instituer du commun. Commun. Justement, ça veut dire quoi, se munir de quelque chose ? Ça veut dire, un, pouvoir s'en servir, deux, pouvoir se nourrir avec, et trois, parce que je suis dans la politique, je suis dans la dialectique singulier collectif, c'est aussi ce dont toute la collectivité se munit.
C'est le corps qu'on a dans le compagnon. Qu'on a justement dans le mot dont je parlais tout à l'heure, confrontation. Confrontation, c'est front contre front. Mais pour être front contre front, il faut être deux. Et donc, qu'est-ce que c'est le commun? Ce sont les munitions qui sont à tout le monde, qui sont collectives. Et c'est ça le communisme. Le communisme, c'est un projet d'économie politique qui cherche à ne pas fonder l'économie sur la recherche du profit, mais à la fonder sur la recherche du commun. Évidemment, si Marx travaille au moment de la naissance du capitalisme, c'est bien parce que pourquoi le capitalisme a-t-il été inventé? Pour rendre possible le profit. Et en particulier, une approche du profit qui est celle de l'accumulation. C'est ça qu'on appelle un capital. Qu'est-ce que c'était que les capitaux? Qu'est-ce que c'est que les capitaux? C'est, j'ai envie de dire, les munitions financières des entreprises. Et à partir du moment où le capitalisme a commencé à s'instituer comme logique économique, les entreprises, les acteurs économiques se sont trouvés confrontés à des choix où j'accumule, où j'investis. Où j'accumule pour avoir du profit, où j'investis dans le projet du tombeau. Et là, hop, on va faire un petit arrêt psychanalyse. Qui relie Freud, un peu de la même façon que Marx repense l'économie en la situant dans le politique, Lacan relie Freud et la psychanalyse en les situant dans le langage. C'est ça qui est fondamental à comprendre. Et pour penser la psychanalyse dans le champ du langage, Lacan élabore une sorte de... Tiens, mais c'est tripalium, un trépied, trois concepts, qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. On est toujours dans les trois à la fois. Le réel, le symbolique et l'imaginaire. Le réel, c'est pas compliqué, c'est la confiance. Le réel, c'est ce sur quoi je ne peux rien. C'est pour ça que Lacan va expliquer que finalement, la conscience de ce que c'est que le réel va nous venir quand on va comprendre ce que c'est que le réel. À l'autre bout, il y a l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? C'est très simple. C'est la même chose que le réel, sauf que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que dans le discours politique, les formes courantes d'imaginaire, on les connaît tous,
C'est les religions. Qu'est-ce que c'est qu'une religion ? C'est pas autre chose qu'un moyen de penser le réel. C'est ça, la religion. Zut ! Dieu a soufflé la tempête. J'ai dû faire une bêtise. Ça, c'est la variante religieuse qu'on appelle l'imaginaire. Et puis entre les deux, entre le réel et l'imaginaire, il y a le symbolique. Et alors le symbolique, il est dans l'économie. Parce que ça veut dire quoi, symbolique ? C'est fait à partir de deux mots grecs. D'un côté, j'ai signe, qui veut dire avec, que vous retrouvez dans sympathie, dans synergie, dans un paquet d'autres. Puis de l'autre côté, j'ai bol. Alors, bol, c'est... Oh, peut-être que ça a un rapport avec le bol dans lequel on voit, je ne suis pas sûr. Bol, c'est la même racine que le mot grec, ballon, qui veut dire je jette. Le bolon, en grec, ça désignait le petit fragment, le petit morceau. Et qu'est-ce que c'est que le sub bolon ? Alors, vous avez tous fait ça quand vous étiez bouffés. Pour vérifier que l'autre, c'est un copain, je lui tends une feuille de papier déchirée. Et lui, il a le goût. Ce qui fait que quand je réunis les deux, ça marche. C'est ça le symbole. Autrement dit, le symbolique, c'est l'instance de l'échange. On y est là. C'est l'échange. Dans le champ de la psychanalyse, finalement, on a les trois concepts qui nous permettent de penser l'économie politique relue par Marx. Le réel, c'est l'usage. Le symbolique, c'est l'échange. Et qu'est-ce que c'est l'imaginaire ? C'est l'usage auquel je rêve, le projet. C'est ça, le projet. Il ne faut pas se tromper, hein. Un projet c'est imaginaire. Je rappelle quand même, c'est important de rappeler ça, que on apprend toujours à tous que la 3D, le présent, le futur, le passé, l'anticipé, mais c'est tout. Il n'y a que deux temps. Deux temps. Le présent, le passé. Le futur, c'est pas un temps. C'est un mode. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de futur du sujet. L'autre preuve, c'est que qu'est-ce que c'est que le futur ? Mais c'est justement ce par quoi j'exprime l'imaginaire. Demain, tous les économistes. Votez pour Macron et on rase la grâce. Pas de problème. C'est ça le futur. Et bien, l'économie politique, elle est comme la psychologie. Elle se pense à ce qui passe dans ce cas. Le réel, le symbolique, le futur.
La police en grec, c'est la cité. À la fois au sens de la ville, au sens géographique, et aussi au sens des institutions. En latin, on avait le même mot. C'était Civitas qui a donné le mot français cité. Si je m'arrête là-dessus, c'est parce que c'est très très intéressant. Les Grecs, ils ont commencé par polis, la vie. Et à partir de polis, ils ont fabriqué politique, ce qui regarde vous, une politesse, celui qui appartient à la vie. Autrement dit, les Grecs, ils partaient de la réalité du fait urbain, du fait cité. À partir de là, ils donnaient naissance à ceux qui y vivaient. En latin, c'est l'inverse. C'est très intéressant. En latin, on a le mot civis, qui veut dire le citoyen. Mais ce qui est très très important, c'est que le mot civis, en latin, ça veut aussi dire ce qu'en français, on appelle le concitoyen. On a ce problème. Autrement dit, ce qui sert de point de départ chez les Romains, c'est la relation à l'autre. Je suis civis parce que l'autre me reconnaît civis. Et si je le reconnais civis, c'est que je sais qu'il me reconnaît civis. Et ensemble, on va tous se mettre ensemble. Et on va fabriquer une civitas. Ce qui veut dire que chez les Latins, ce qui était premier dans le champ politique, c'était le rapport à l'autre. Et alors donc, que veut dire le mot politique? Le mot politique, c'est ce qui regarde l'espace dans lequel je vis avec les autres. C'est tout simplement ça, le politique. Quand je dis l'espace, c'est à la fois l'espace géographique, c'est une ville, c'est un début, une fin, d'accord. Mais c'est aussi la cité au sens justement institutionnel du terme. Autrement dit, tous ceux qui habitent au même endroit et qui reconnaissent les mêmes institutions. C'est ça la politique. C'est ce qui fonde les institutions. En donnant au concept d'institution une signification que je trouve importante, une institution, c'est une médiation symbolique de l'appartenance sociale. Ce qui veut dire que, en particulier, je parlais tout à l'heure de la langue, c'est une institution. François, vous avez peut-être pas dit deux fois manifeste communiste pour l'œuvre de, une œuvre de Karl Marx. En fait, c'est manifeste du Parti communiste. C'est manifeste du Parti communiste. Oui, je connais. Le vrai titre. Je connais. Est-ce un oubli ou volontaire ou pas? Je ne sais pas entendu. Vous avez parlé de manifeste communiste. Oui. En fait, le vrai titre, c'est manifeste du Parti communiste. Pourquoi vous avez fait deux fois cet emploi? Le manifeste communiste, c'est le texte dans lequel Marx va construire une culture politique. J'ai même envie d'ajouter une identité
manifeste, ça veut dire expression. C'est ce qui sert à rendre public. Et dans le projet du manifeste communiste, Marx a en gros deux projets majeurs. Le premier, il faut passer à la lutte des classes. Et pour ça, il faut avoir une culture théorique. Le deuxième, le projet de la lutte des classes, c'est pas d'exterminer les autres, c'est pas ça la question. Le projet, c'est de construire, et là, réel, symbolique, imaginaire, le projet, c'est de construire une société sans classe. Autrement dit, une société dans laquelle ceux qui en font partie ne se distinguent pas les uns des autres par leur classe sociale d'appartenance, mais sont tous porteurs de la même identité. Et là, on est bien dans la médiation. Et du coup, on est aussi dans le commun, parce que ce que fonde la société sans classe, cet imaginaire politique vers lequel on se dirige, ce que fonde la société sans classe, c'est une société du commun. Bonsoir, merci de cette explication. La politique, c'est le conflit. Quand deux groupes sociaux ont une lecture différente du réel, ils s'opposent automatiquement et l'un va détruire l'autre. Enfin, disons, cette notion de conflit, de lutte des classes qui arrive sans arrêt, est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec une recherche du commun, précisément, d'arriver à mettre ensemble quelque chose où il n'y ait plus ce conflit, de trop vouloir disséquer les conflits existants, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec cette recherche de communisme où il n'y aurait plus de conflits? Je crois qu'il faut ressortir un concept dont je n'ai pas parlé, mais qui fait partie de la pensée de Marx. C'est le concept de dialectique. Marx explique en long, en large et en travers que ce qu'il a formé aux politiques et à la philosophie, c'est la lecture de Hegel. Hegel, c'est une trentaine d'années avant. Le discours de Hegel, il est fondé sur une sorte d'achèvement de ce concept de dialectique qui est un mot grec, que vous retrouvez dans Aristote, et qu'on retrouvera après dans le discours de Kant, au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la dialectique? C'est une façon de parler et une façon de penser qui articule les contraires. Je dis bien qu'il les articule. Autrement dit, il ne s'agit jamais seulement de les opposer, ou de prendre conscience de leur opposition, il s'agit bien de les articuler l'un à l'autre. Toujours avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne peux pas penser le blanc si je ne pense pas le noir en même temps. Et alors, qu'est-ce que c'est que la dialectique dans le discours de Marx? C'est ce qui va me servir à penser ce processus historique. Et là, je me promène sur le réel, le symbolique et l'imaginaire. Le processus historique par lequel les classes sociales, autrement dit les acteurs de l'histoire, qui sont des médiations de singulier collectif, les classes sociales vont dans le même temps s'opposer l'une à l'autre
et construire une identité commune. C'est ça la dialectique. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la problématique de la lutte des classes. Il ne s'agit pas de casser la gueule à l'autre pour voir quel est le plus fort. C'est pas ça la question. Il s'agit de penser l'opposition entre les classes pour fonder à partir de là la dialectique qui permettra dans l'imaginaire de fonder ce que Marx appelle dans le manifeste communiste la société sans classe. Je crois qu'il faut avoir saisi la dernière question. C'est moi. La dernière question de la personne qui a posé la question. C'est, je donne l'exemple du Chili, de Salvador Allende, qui, par son révisionnisme, ne voulait pas la révolution, le choc entre les deux classes, mais voulait un passage pacifique. Là, la question de la personne, derrière, pose la question, pourquoi confrontation ? Puisque c'est la cité, on veut construire une cité commune. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'argent. Je reviens à ce que je disais à un moment tout à l'heure sur le concept d'identité. C'est lui au milieu. Sachant que identité, ça veut dire étant ça. L'identité, autrement dit, c'est ce qu'on montre. C'est toujours vu du dehors. Et qu'est-ce que c'est l'identité ? C'est déjà une médiation, donc une dialectique, entre du singulier, le miroir, je suis comme l'autre, et du collectif, mais pour que le collectif arrive à bien se distinguer du singulier, eh bien, si le singulier, c'est l'identification, le collectif, c'est forcément la confrontation. Et je pense que dans l'histoire, toutes les tentatives, à commencer par Allende justement, toutes les tentatives qui ont cherché à construire une société juste, égalitaire, sans en passer par le conflit, ont échoué. J'ai pas l'exemple. Et Allende, j'ai envie de dire, il a plus échoué. Parce qu'il est mort. Le Chili a mis des années à s'en remettre de la dictature de Pinochet. Et c'est pourquoi je pense que c'est une illusion de se figurer qu'on peut faire du politique sans conflit. C'est très bien. Parce que ça serait une façon de mélanger le singulier et le collectif. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est toujours à rejeter les discours politiques qui cherchent à séduire, qui cherchent à émouvoir, qui cherche à frapper le psychisme. Non. Non, non. Il ne faut pas mélanger les gens. Ou je suis dans le singulier, ou je suis dans le collectif. Mais si l'être humain veut vraiment évoluer, est-ce que ce n'est pas la solution de mélanger justement le singulier et le collectif ?
bien pour ça que j'ai utilisé la figure de l'ascenseur. C'est quand même plus moderne que l'escalier. C'est du progrès, l'ascenseur. Donc je pense que ce que les êtres humains, comme avait-il dit les hommes, ce que les êtres humains ont à faire dans l'histoire pour s'en sortir, c'est de se donner les instruments de la dialectique et de la confrontation entre singulier et collectif. Pas d'effacer, ça ne sert à rien. D'articuler les deux. C'est ça qu'il faut qu'on cherche à faire. Autour du commun. Et je pense qu'en effet, le projet du communisme, à partir de la logique du commun, c'est de donner naissance à cet espace dans lequel la différence entre le singulier et le collectif se pensera dans une confrontation qui ne soit pas violente. C'est ça qui est projeté. C'est pas la confrontation, c'est la violence. Mais à partir du moment où il y a une confrontation, est-ce que la violence n'est pas indispensable? Est-ce qu'on peut y échapper à partir du moment où il y a une confrontation, pardon? On va faire deux réponses. On va faire la réponse dans l'histoire. La réponse est non. Et puis on va faire la réponse dans l'imaginaire, dans le projet politique. Le projet politique, je vais dire les choses autrement. Quand on s'engage dans la politique, c'est de l'imaginaire. On n'est pas tombé sur la tête. Je veux dire, je me suis toujours engagé politiquement dans des causes dont je savais pertinemment qu'elle ne s'inscrivait que dans l'imaginaire. Ouais, il y a eu un moment dans ma vie, allez, un an, j'y ai cru qu'on y était, à la Bastille, j'avais mon mouflé dans le dos sur un porte-bébé, et on était tous retrouvés là à Paris comme des couillons. Le 10 mai 80, ouais. Je sais même pas si ça a duré un an. Après, j'ai bien compris que non, que le projet politique, comme tous les projets, c'est l'imaginaire. Je vais même ajouter quelque chose, pour que les choses soient claires. Une des choses qui m'a fait comprendre, et justement il n'y a pas si longtemps que ça, une des choses qui m'a fait comprendre ce que voulait dire le projet communiste, c'est ça m'est tombé dessus en réfléchissant. Ça a été le jour où j'ai compris que le communisme, c'est pareil. Ça a duré quoi? 5 ans. 1917, 1922. Ça fait pas lourd, 5 ans. Parce que ce qu'on nous a fait passer pour le communisme, et alors là, je vais enfoncer le clou, ce que le libéralisme nous a fait passer pour le communisme, pour dire oulala que c'est vilain, n'y allait pas. C'est pas communiste. C'est ce qu'on nous fait les communistes. Et alors là, il ne faut pas se tromper. Quand la Russie est devenue stalinienne, ça n'a rien à voir avec le communisme.
c'était tout simplement la Russie des tsars qui continuait, qui avait changé de chemise. De la même façon que les États comme la Chine n'ont fait que donner un vernis communiste à des États tout puissants qui étaient là depuis toujours. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris que le communisme, c'est le régime. Ça veut dire pas tout de suite. Il faut se donner les moyens. Mais attention, ça n'enlève pas que cet imaginaire ne peut se penser qu'en confrontation avec d'autres. C'est toujours le mot sur le singulier. Il y a deux intervenants par là-dessus. Lorsque Lénine dit, lorsque les gouvernants ne peuvent plus gouverner, et les gouvernés ne peuvent plus vivre comme auparavant, La révolution est mûre, c'est-à-dire le fruit est mûr, il tombera de lui-même. Voilà le mot sur le singulier. Mon premier vrai maître, celui que je quitterai jamais, c'est Rousseau. J'ai fait ma maîtrise, ça ne me rajeunit pas, j'ai fait ma maîtrise sur le contrat social. Et Rousseau, il a une phrase dans le contrat social qui répond un peu à ce que vous dites. Rousseau, il dit, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Quand Rousseau dit ça, il représente justement les deux volets de la médiation singulier et collectif. Il y a d'un côté ce qui marche et de l'autre côté la guerre. Pour que la médiation marche, justement, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, ça veut dire qu'il faut le langage. Le langage, dans ces deux morceaux, le droit, c'est le collectif, le devoir, c'est le singulier. Ce que Freud, bien des années après, appellera le surmoi. Je dirais entraîner la rupture, la chute du communisme, c'est que justement, il ne s'est pensé que dans le rapport de force. Eh bien, le rapport de force, c'est ce que dit Rousseau. Il y a toujours un moment où on trouve plus fort que soi. Et on est fichu. Pour que le communisme ait pu durer, il aurait fallu qu'au lieu de s'arrêter avec Staline, il continue comme en 17. En 17, en Russie, il le voulait, le communisme. On y était. J'ajouterai une chose. Et c'est là qu'on est complètement dans l'imaginaire quand on parle du communisme. C'est que
C'est bien gentil, Rousseau. Le contrat social, tout ça, la cité. La police, dont on parlait tout à l'heure. C'est bien gentil, ça, mais on est dans un monde. Alors, vous faites quoi avec les voisins? Et je pense que si le communisme veut aujourd'hui se repenser, s'il faut relire le discours de Marx aujourd'hui, c'est dans la mondialisation. Je pense que en prévoyant le développement du capitalisme, je ne suis pas sûr que Marx ait prévu la mondialisation. On n'y était pas. Entre autres, tout simplement, parce que comme Marx écrit en 1857, il n'y a pas encore la colonisation de l'Europe. C'est maintenant qu'il faut repenser un discours politique, une économie politique, à l'échelle de la mondialisation. Et du coup. Nous retrouverons Bernard la semaine prochaine. Vous pouvez l'applaudir très fort, ça. Bernard est un grand timide et il a besoin d'encouragement. La semaine prochaine, à 21h, l'association Film Femmes Méditerranée projettera un film. Donc si vous voulez en profiter, vous le pourrez. Et nous, on se retrouve mardi prochain, lundi prochain, pour la suite de Médiation et communisme. Rangez vos chaises avant de partir, s'il vous plaît, et passez une belle semaine. Et merci pour à votre tous. Patience.